Gather round, mateys, and listen to the tale of the most legendary treasure of all. Many a moon ago, the North Star itself crashed from the heavens. Those lucky enough to get their paws on it could seek out their every heart's desire. Seekers, they call themselves. Show a bit of imagination, yeah, Mothra Pearl. But them Seekers, fearful of sharing its mighty power, concealed the North Star so no other soul could claim to it. Years drifted by, and as ye be aware, tales become myth, and myth becomes legend. And legend be the makings for some fine pirate treasure, aye? Mia! Et bonjour à tous, c'est Odnil, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur la démo de Cat Quest 3 disponible pendant le NeoFest de Steam. Le jeu devrait sortir du coup le 8 août 2024. Et comme on avait testé, découvert ensemble le Cat Quest 2, et bien je me suis donné l'occasion de découvrir le numéro 3 tous ensemble. On va partir sur solo. Il y a bien évidemment de la coop locale comme sur le numéro 2. C'est plutôt cool sur le même écran. On va partir sur normal. On va prendre un petit pirate. Vite 1. Capitaine Chapoté, ouf, on a réussi, la map a l'air très grande encore. D'après la rumeur, cette île renferme un indice sur le trésor de l'étoile polaire. Ça ne devrait pas être trop dur à trouver pour un quêteur, pas vrai mon mouchaillon. Voilà sur l'île de Chatoug. Alors, hop. Et on a la roulade ici, hop, le coup. Un petit peu d'XP. L'âge de château. Alors, qu'est-ce qu'on a? De play, ça doit pour passer à deux players. Les jeux coopératifs en local. Faites appel à un corcher pour vous aider dans votre quête. Ok. Très bien. Ah oui, là on récupère de la vie. Et ça a changé un petit peu de. Un petit coffre. Bandana pirate à niveau 1 plus 20 de cœur. Alors on dégage. Ok, donc là on a un peu plus compliqué que dans le 2. On avait un peu tout sur le même écran, là on a tout un peu séparé. Niveau la carte 60 coffres à découvrir, ouais, elle est super grande, vraiment c'est très grand, très très grand. On a la magie aussi, là on a le crash flamme, les objets de quête. On doit pouvoir avoir un bateau pour naviguer.
balance des... Pas l'ouvrir, ok. Qu'est-ce qu'il nous balance, lui? Attention à celui-là. Appuie sur Y pour changer d'arme et lui tirer dessus de loin. Ok. Ah oui, c'est pas de la magie, c'est un canon, quoi, que j'ai. Et alors, chatouiller trésor 2 sur 3. Pas mal, ça peut t'aider à trouver tous tes trésors. On voit qu'il est là-bas. Et voilà, on a tous les trésors région terminés. Là, on devrait pouvoir partir de l'île, ça serait simple. Et d'abord finir les ruines étoilées. Je vais te cacher derrière, non? Ruines étoilées, des runes que les quêteurs du temps jadis sont censés avoir utilisées. La légende prétend que ces runes sont la clé du trésor de l'île polaire. Île Chabor, alors les légendes sur les quêteurs disons. Tonnerre, peut-être que la rune va nous indiquer le trésor. Chava Mouchaillon, t'as entendu quelque chose? Et qui doit pas les Bros One? Veux-tu toucher notre trésor, c'est ça? Oulala, attention, appuie sur LB pour lancer ta magie vie. Et ah oui d'accord. Pas mal ce petit LB, il me semble qu'il n'existait pas dans le 2. Le roi pirate crétin un poil frangin, c'est le moment de donner un coup de balai. On va leur montrer de quoi les balais bras sont capables. Là. Allez, viens là, gros plat de poil. Allez, par les bros. Pas mal ce coup, en vrai. Ah oui, ça fait plus de dégâts si je tire comme ça qu'avec le LB. Allez, Bally Bros. C'est pas sûr, regardez. Premier boss, bon, ça va. Allez! Hop là! Et voici le premier boss de CatQuest 3. Et ça va peut-être nous faire passer d'un niveau. Clé de navire, une clé pour débloquer votre navire. Ah ben voilà! Tout cool! Là, ce gros va lâcher. On peut essayer d'appeler leur bateau de. C'est cool! Ça va aller dès le début comme ça. Je sais pas si dans le 2 c'était possible ou pas, j'ai pas encore plus avancé. Le jour est enfin arrivé, Mouchaillon. Nous allons trouver l'étoile polaire, quitte à explorer le monde entier. Et là, nous serons le plus grand pirate des sept mers. Pas dit sept mers. Ouais. Je vais d'abord mettre le cap sur Port Chavan là-bas. Peut-être que quelqu'un du coin aura plus cette rune étoilée. Alors, X pour tirer. Oui, il y aura un peu de combat naval quoi. Skull and Bones n'a qu'à bien se tenir. Ah non mais ça c'est trop cool cette partie là quoi. C'est-à-dire qu'on peut genre arriver là, débarquer. Pas encore, ok. Là par exemple il y a un petit coffre. Allez on va se tester un combat naval, on est là pour ça. Hein. Ah trop cool. Arrivé. Vraiment pas mal, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si dans le 2 il y avait cette fonctionnalité ou pas. Cette fonctionnalité qui me coule ou non, on est obligé d'aller par contre sur un quai. Là il y a un quai, on va y atterrir. On est en combat.
les canarder depuis la plage, depuis la mer. Salut perroquet, redonne-moi un peu de vie. Hop là. Et une nouvelle épée, sabre boucanier. Bouchanier. Le rêve, vous venez de ratiboiser le trésor. Elle va nous tirer dessus. Ah, je peux me faire tirer dessus, moi aussi par le bateau, donc faut faire gaffe. Et bon. Oui, on a une petite couée tranquille pour traverser. Oh là là, c'est bon. Caverne. On va se faire cette petite caverne et puis on arrêtera cette vidéo découverte pour le moment. Jamais les mots est disponible à un autre. Ça vous spoilera pas trop, vous pourrez aussi la faire et puis ça spoilera pas trop le début. C'est vraiment. Ouais. J'espère que personne ne trouvera ce trésor qu'on a caché. Par là, oui. On n'a pas équipé l'arme, je crois. Alors, d'un niveau. Gaul contre 5. Ouais. Pas une grosse chance, mais. Saute direct dessus, quoi. Chasse dessous. Ça va, il m'attaque juste en second temps. Ça va. Voilà. Voilà. Allez. On a pris Shark. Ah oui, c'est ça. C'est... En fait, c'est pas de la magie que je veux faire. Le L. Avec le flingue carrément, le Y. Que ça ressemble vraiment à un flingue. Ah oui. Ok, c'était carrément un problème. Quoi dans le dos? Ouais, je peux prendre la magie, je voulais juste ça bien. Alors on va voir ce que ça donne. Ça c'est la magie. Le coffre. Presse de guerrier. Attaquer en esquivant pour effectuer une pente. Une pente. Avec. Et. Un espace en bas à gauche. À côté du personnage, on en débloque un autre au niveau. Ça se quitte. Allez, on va ressortir de cette cave et puis on va arrêter pour cette petite vidéo découverte de Cat Quest 3 qui sort le 8 août 2024 et qui a l'air quand même très très prometteur. Vraiment, ça a l'air vraiment sympa. Et je l'attends avec impatience. Allez, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!